Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmé, ça m'a pour la caille. Et nous venons parler de faits insolites, ça qui passait samedi dernier. Eh bien, c'est une famille qui était en voyage, justement, dans, en fait, qui t'a, en fait, ça passait justement dans la zone Caroline, dans le county Caroline, dans Virginia. Pendant un voyage comme ça, et puis, pendant le week-end, et puis, il y aurait tout bag, tout sachet. Alors, yo pense que c'est moun ki normalement voye fatra nan route la. Yo même en tant que bon citoyen, yo wè sa pa fè bel pou ap lage fatra nan route la. Yo just pran sachet yo, yo mette yo deyè truck yo. Parce que just yo pense l'aide pou ap lage fatra nan la rue. Et puis yo mette yo deyè truck yo et puis et puis yo pique la caillou. Et maintenant, Léo finit d'arriver la caillou quelques temps après et puis il paraît normalement sachez ça pour aller jeter au fatra. Mais il se trouve que lorsque yo prend sachez pour jeter au fatra, Léo regarde, Léo al checker, yo regarde, yo ouais, c'est des séries de bagailles. Plusieurs là-dedans, c'est des séries de enveloppes UPS et yo ouais que c'est cash qui est écrit sur yo. C'est cash qui est écrit sur yo. Donc, c'est après ça yo vinn rendre compte qu'effectivement que bag ça c'est justement et c'est plusieurs enveloppes l'argent qui la donne. Et donc, maintenant, là où est ça, c'est que il y a l'église, il y a un shérif qui te colmache même l'église avec eux. Et puis, ils ont décidé normalement, ils disent au pape Kembe Kobla, ils disent shérif là qu'effectivement, qu'ils rejoignent, ils ont pile enveloppe, en fait, non, sachet pile cob qui est à peu près 1 million de dollars. Et ils ont décidé pour y remettre cob ça. C'est ainsi que la police a effectivement les regardé, ils ont vu que effectivement c'était l'argent. Et d'après la dernière enquête, il a semblé que monnaie ça c'est pour BBT Bank l'été. Et que ont vu trouver sur route là. Et bon, en pile question qu'a posé, est-ce que ou même ou t'as joué comme ça, 1 million de dollars, non sachez, est-ce que ou t'as pas le remettre lui comme ça? Bon, nous avons précisé pour un pile monde. Et difficulté qui gagne dans un scénario pareil. Même les difficultés pour essayer de comprendre les difficultés. On a dit où jouer 1 million de dollars. Bon, premièrement, on dit que c'est des choix de valeur. Choix ça, nous dit c'est des choix de valeur. Livrement dépend de qui valeur que mon nom. C'est des choix de valeur. À part des choix de valeur là, même à essayer de montrer nous, on l'autre aspect sous lui. On a dit que ou gagne ou prend 1 million de dollars. Première difficulté, on pas qu'à prendre 1 million de dollars pour le mettre sous banque. En fait, ça est simple, ou comme ça. Maintenant, on regarde qui on va le dépenser. Ok? So, on a dit ou prend 1 million de dollars ça, ou aller, ou acheter une machine cash. Est-ce que vous pensez, ok, ou acheter une machine, bah, je choisis ou pas ou acheter quelqu'un. Ça va faire un trou là. Ou pas le bon difficulté dans la dépense tout. On a dit pour acheter un caille. Ok, ou acheter une machine, faut bien information de tête pour machine. Là. Donc imagine ou aller, bah qu'on est 50 000 cash là dans acheter une machine. Bah qu'on est ou bien aller 150 000 acheter un caille. Est-ce qu'on pensait ça passer inaperçu? Il y a des questions que l'a posé. Est-ce qu'on pensait ça passer inaperçu le fait que vous achetez un caille cash? Et est-ce que vous pensez pas gagner des questions qu'a posées par d'autres acteurs leur fait action ça? Donc, ça m'a fait montrer nous là. 1 million de dollars prend, certes, mais dépenser là tout. Ça veut dire ça veut dire là. C'est que la moitié de toute valeur, honnêteté, intégrité. Moi, je voulais montrer que, ultimement, j'en prends le dépenser comme ça. Qu'a fini. Yo, qu'a fini par Kembo. Kembo, grand qui s'en se pose des questions. Koto jwen tout kob sa yo. Ok?
Donc, ou ka trouve ou non scénario kote ke ou gen million de dollars, ou oblige à manger le pas en 500 dollars. Vous comprenez? Ou ap dépense le pas en 400. Peut-être que li ka gen moins suspect. Vous comprenez? Là, ou ap fait des transactions. Bah, ça ou. Donc, c'est à ça. Parce que autrement, gen de dépense énorme ou pral fait. M'bon garanti, ou pral jwenn des questions. Sous justement, et contre jeune revenu, ça parce que ça vous comprenez pas bon ici. On va remarquer et même au niveau de transfert qu'on a fait, il est limité. On dit il est limité combien qu'on peut avoir dans transfert par mois. Je en fait, ou pas qu'à dépasser plus que 10 000 dollars transfert. Sous table de voyage ici ou bien voyer de l'autre côté. Mais moi donc 10 000 dollars. Ça veut dire, ouais, si chaque mois vous voyez 10 000 dollars maximum pour un an, c'est 100 000 dollars. Donc, sous table, vous voyez l'en Haïti ou bien n'importe l'autre côté, ça veut dire dans 10 ans. Moi, exemple, ma barre sous table, choisis, vous voyez comme ça par transfert. Et vous avez toujours des questions. Donc, de toute façon, pour vous montrer que, effectivement, et utiliser 100 000 dollars, il y a des questions qu'à poser. L'autre alternative, peut-être qui plus, comme t'as dit ça, et ce qui sont risques tout. C'est après un million de dollars, mettez le sous et puis vous allez payer où? On dit oui, Haïti, bon, on connaît Haïti, gagne moins. En fait, tout pas de ton côté Haïti, vous allez acheter tête. C'est pas même logique là. On n'y va pas, vous cachez pas, vous ne posez pas de questions. Vous comprenez? C'est différent ça qui gagne. Vous achetez n'importe bien en Haïti, vous allez cacher ou pas, non? Pas nécessairement gon social. Pas bien que tout soit fait ici, tu demandes un numéro social, monsieur. Vous comprenez? Toute transaction à faire, vous monsieur, bon numéro social. Ou là? Et vous savez qui est qui a acheté ça? Ok? So, vous voyez que les dépenses en Haïti n'ont pas tellement de contrôle. Dans le monde, vous avez acheté la machine n'importe quoi car en Haïti. Pas de database vraiment vrai qui pour track. Eh bien, on voit ça. Et bien, ça fait un gros débat en Haïti. Et ça, vous avez les déclarations définitives d'impôt que vous n'avez jamais fait. Et moi, je rappelle que vous avez parlé de cause ça. Vous avez révoqué. Monsieur Tab dit. Et c'est mon bon travail. Chaque monde monte, ou dit ça au gain. Chaque monde monte sous pouvoir, ou dit ça au gain. Leur absorbe, ils veulent ça au gain. Et puis ils font bilan, qui ont fait quand tout ça. On contrôle, mais en Haïti, c'est côté au capable, en fait, comme capable de n'importe côté, non, doit. Quel que soit côté jeune cobla, vraiment, on n'est pas gain des questions qu'à poser. Ok, à part lorsque on a la banque, parfois, ils ont posé des questions lorsque on a fait des retraits ou des dépôts, mais tout le monde a fait des gros transactions en Haïti, donc pas vraiment gain en contrôle. Chaque soir, on a fait pour demander de social security ou bien pour demander, comme nous n'avons pas de social security en Haïti, mais au moins, si nous avons un ID, nous avons un carte d'identité, whatever, pas un contrôle ça. Donc en clair, la réalité, c'est que 1 million de dollars, c'est on va prendre, mais il faut comprendre tout. Non, genre, en pile monde, on est en pile monde. Premier ça on va faire on va acheter un gros caille on va acheter un bagage c'est que il y a facile prend tout vous posez une question avec tout nous pensons que c'est une question de valeur c'est une question de valeur d'un coup famille ça il dit bon c'est pas pour nous nous pas de travail pour nous c'est pas comme nous tout simplement ok il dit pas pour nous le il pas de travail pour ça et il juste décide de remettre tout simplement son grandeur d'âme lié quelque part ce genre d'action et gars mon qui dit famille ça pas mourir pauvre pas jambe gars mon qui dit yo pas jambe gars comme ya gars mon qui dit y a mourir pauvre dans vie yo yo pas jambe pendant au café action ça yo pas jambe y a mourir pauvre mais m'pas quoi que yo regrette yo même c'est des choix que yo fait tout simplement. La vie, c'est des choix. Chaque monde a une ligne directrice. Dieu m'a dit que tu as dit bon, moi même, ça a chance pas, mon Dieu, bon, moi. Puis, il n'y a personne qui dit moi. Je ne vais pas chercher. C'est chance pas. Bon Dieu, bon, moi. Et puis, il n'y a personne qui dit malhonnête, mais chance moi. Et. Vendou. Par exemple, ça, quand ils vont l'autre monde, les mêmes sont encore bien, ils ont déposé sur la carte. Bon, ça pue mal même. Ça ne voulait pas être victime. Bien que c'est pas lui qui a cherché Cobla, il a déposé près de 1 million de dollars sur la 40 et puis il prend les dépenses contre col. Ça passe dans le cas ça.
Normalement, moun sa di, bon, y pa mwen, men ba fon, hein, c'est sous quand on m'a dépensé. Non, ça me pas mwen, chaud. On n'a joué pas pour le ou style valable pour en prison, ou style valable pour remettre lui. Et dans le cas, ça, moun ba comprendre, c'est que de toutes les façons, y a besoin nous. Parce que le plus souvent, ça crive, c'est une erreur de transaction, un chiffre qui manque et puis il tombe sous account. Vle, la bag un mistake, non? Donc, par exemple, dans le bagage qui tombe sous route là, quelqu'un doit dire, et si moun nan fon, j'en la dépense, il pas ti morceau bien. Font l'autre bagay, car il y a moyen pour l'éviter. Et si, en pile précaution, mais sous banque là même. De toutes les façons, il y a bien sous dopio. Quelqu'un doit prendre en pétant, mais il y a bien sous dopio quand même. Ok? Donc voilà, guys, c'est ça qui est passé dans John, Virginia, dans County Caroline. On dit bien, shérif, il était justement félicité. Il représentait des représentait des valeurs nobles. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, gain en bête là toujours, yo Kembel. » Il dit que il dit que yo Kembel toujours. Bon, donc de toute façon, il a décidé bali. OK guys, on devote justement faire solide ça pour vous. Et donc rete branché, nous pensons que c'était justement une action louable, pas tout le monde qui t'a fait travail ça. Donc nous t'ai décidé partager là avec vous. OK, portez-nous tout bien. Bye bye tout le monde.